Bonjour tout le monde, ici le Caribou Canadien qui vous parle. J'espère que vous allez bien parce que moi je vais super bien aller. On poursuit l'aventure du jeu Hogwarts Legacy Live sur la chaîne du Caribou Canadien. Oh yeah! Utiliser les cartes et les bougies flottantes. Bon. On va aller faire le cours. On va voir ce que notre hibou nous dit. Bonjour à vous. J'ai besoin d'aide pour une livraison. J'ai pensé que cela pourrait vous intéresser. Venez me voir aux potions Pipin. Si vous souhaitez empocher quelques pièces. Perry Pipin. Comment tu t'en es sorti après notre petite aventure à la bibliothèque? Si tu cherches un endroit discret pour t'entraîner à lancer des sorts interdits, retrouve-moi devant la classe de défense contre les forces du mal, Sébastien. Excellent. La salle sur demande. Ok. Je regarde ça à nouveau. Ça, c'est quoi ça? Talent? Ah, il faut se donner des points. Je ferai des lectures là-dessus. Le professeur voudrait que j'utilise simultanément les potions. Maxima et Durus. Il aimerait également que je teste une potion de concentration. En cas de besoin, je peux me procurer des potions et des recettes chez Potion Pipine. Quant à l'endroit où je pourrais effectuer ces tâches, ma carte ne sera aucune idée. Il faudra que j'explore. Obtenez et utilisez une potion de concentration. Ok. Livraison urgente. Je peux faire une pierre deux coups. Protego. Non. Ça. Carte de Préola. Que tout. Voir du 7e étage dès que possible. Je connais un endroit idéal pour étudier dans le calme, à l'écart des regards curieux et des distractions. Je vous en dirai plus de vive voix. Nous avons tout ce dont les élèves peuvent avoir besoin en matière de potions. Prenez le temps. Réveillons.
Potion Pépine, le pocataire de Préola, l'a ouvert ses portes en 1753. Le propriétaire de la boutique, Harry Pépine, y vend de nombreuses potions ainsi que leurs ingrédients. Quelque chose de pas loin, mais je trouve. C'est une page de livre qui se promenait. Rebellio. Tout est fermé ici. Brisé. Je me demande si je peux la réparer. Rebellio. Réparons. Non. Bienvenue. N'hésitez pas à m'appeler si vous avez besoin d'aide. Acheter. Que puis-je pour vous aujourd'hui? Recette de potion réduite un peu le temps de recharge de sort de personne. Concentration. Breuvage. Potion d'invisibilité. Potion maxima. Ok. J'espère vous revoir très vite. À bientôt. Je vais les acheter après encore qu'ils me les donnent. Vous avez besoin d'aide pour une livraison? Bonjour, Monsieur Pipin. Vous avez besoin d'aide pour une livraison? Tout à fait. Aussi capable que vous êtes, vous ne devriez avoir aucun mal à vous rendre à Pont-Désir. C'est juste au sud de Poudlard. Qu'avez-vous besoin de livrer? Fatima Lawang m'a commandé quelques potions d'invisibilité. Avant, j'y allais moi-même, mais ces derniers temps, Fatima trouve toujours une excuse pour provoquer une dispute. Elle se plaint de la qualité de mes potions, mais... comment puis-je avoir le temps de préparer des potions de qualité alors qu'elles commandent si fréquemment? Si vous pouviez vous en charger à ma place, je vous offrirais avec plaisir les frais de livraison payés par Fatima. Ce serait un plaisir de vous aider pour cette livraison. Vous n'imaginez pas à quel point je vous suis reconnaissant. Vraiment. Voici les potions d'invisibilité dont elle a besoin. J'espère qu'elle ne vous causera pas trop d'ennuis. C'est une potionniste de talent. À vrai dire, j'aimerais bien jeter un coup d'œil à ses recettes de potions à l'occasion. Bon, livraison urgent. Comment loin? C'est pas juste au sud, là, c'est au bout du monde, mais... on va y aller. Je me demande si ça me plairait de vivre dans un endroit comme celui-ci. J'ai oublié, mais il pourrait peut-être m'acheter des choses, inventaire. Non. Ok.
équipement. On a nos meilleures lunettes installées. Ah non, on n'a pas nos meilleures lunettes installées. La salle sur demande. Là, je vais vérifier c'est quoi. 38, 32, 37. Bonjour, Monsieur Semi. Que puis-je pour vous ? Que proposez-vous à la vente ? Que puis-je faire pour vous aujourd'hui ? J'espère vous revoir bientôt. Bonjour, Monsieur Semi. Que puis-je pour vous ? Y a-t-il des rumeurs qui circulent en ville ? Un gobelin du nom de Pergit cause des problèmes dans le coin. Sa bande attaque les marchands itinérants et les affaires en pâtissent. Ce serait formidable que quelqu'un s'occupe de son cas. Mais personne n'ose s'en prendre à une bande de gobelins. Cela signifie qu'il peut faire ce que bon lui semble dans les ruines de Koro. Ce sera tout. Merci pour votre temps. Ce n'est pas vous qui avez chassé tous ces fidèles gobelins ? Si vous saviez quel soulagement c'était pour les habitants de la Rambe. C'est vrai qu'hier j'ai fait des affaires de balai, je m'en rappelle pas. Je me ferai des potions, j'ai oublié de m'en faire ça aussi, il faut que je travaille là-dessus. Oh! Que me réserves-tu cette fois-ci? Action.
Action. Voilà. C'est réglé. Et voilà. Cet endroit a connu des jours meilleurs. Action. Action. Incendio. On irait là une autre fois, mais j'aurais plus de... Et là, j'ai pas pris le même choix. C'est là où je voulais passer. Là, j'en vais me rendre là direct. Peu importe. J'aurais pu juste prendre, finalement, me rendre la lumière. Je me suis perdu du temps. Oh, mon énergie est revenue. Ça. Vraiment bouger hier quand j'étais en train de jouer avec mes fils. Je sais ce que cela représente. Une épreuve de Merlin.
Attention. Les vieux sont... Expelliarmus. Incendio. Les vieux sont... Action. Tuer. Rébellion. Protego. Lumos. Lumos. Et voilà. Troisième ici, appuyant sans là. Lumos. Réparons. Lumos. Et voilà. Rebellion. Je m'en fous 6 maintenant. Rébellion. Je me demande qui y vit. Toujours en retard, ce pipin. Livre de recettes de potions. Je vais vérifier. C'est quoi au juste? Le recueil de recettes de potions, de toute évidence, est écrit par quelqu'un qui sait se servir d'un chaudron. On dirait que c'est pour moi. Ce pipin devrait déjà être là. Rebellion. Les vieux sont. Rebellion.
Le monde des sorciers a autant besoin de miel pour santé que le monde des moldus. Oh. Toujours en retard, c'est... Voyager. Rébellion. Et voilà. Le barman de Pandésir a toujours du gingembre sous la main pour soulager les nausées des clients et les pousser à la consommation. Oh, voilà une agréable surprise. Brin de polygonum, sac d'araignée, feuille de dictam, et il m'en reste 3. Faut pas que j'oublie le nom. Est-ce que c'est dans l'eau? Ce pipin devrait déjà être là. Je trouve, je vois rien. C'est le soir, ça aide pas. Action. Les biotos. Incendio. Toujours en retard, ce pipin. Action. Rébellion. Les locaux appellent cet endroit la maison penchée car elle repose sous les racines d'un arbre et est inclinée à un angle étrange. Rébellion. Si c'est fermé. Je me demande si ça me plairait de vivre dans un endroit comme celui-là. Ce pipin devrait déjà être là. Action. Les deux sont. Non. Action. Ah.
nuage. Toujours en retard, ce pipin. Ce pipin devrait déjà être. Les vieux sont. Action. Incendio. Expelliarmus. Action. Toujours en retard, ce pipin. Ce pipin devrait déjà être là. Déjà être là. Rebellion. C'est quoi mes autres magies? Non. Toujours en retard. Lumos. Devrait déjà être là. Action. Bon. Je veux pas oublier qu'il est là, mais il veut pas. Toujours en retard, ce pipin. Madame Lawang, j'ai une livraison pour vous de la part de Potion Pipin. Alors comme ça, il a envoyé un enfant faire son travail. Il n'hésite jamais à en faire le moins possible. Vous a-t-il aussi demandé de lui préparer ses potions? Peu importe. Vous vous en sortiriez certainement mieux que lui, de toute façon. Pourquoi continuer à lui en commander si vous estimez que leur qualité est mauvaise? Il semblerait que mes clients soient de plus en plus nombreux à essayer de se faire discret. Et ce n'est pas à moi de juger. Vous n'imaginez pas la pression que je subis pour offrir à mes clients des produits de qualité. Contrairement à certains, je tiens à satisfaire ma clientèle. Voilà les potions que vous vouliez. Vous pensez que c'est si simple? Je sais bien que Pipin essaie toujours d'escroquer ses clients. Et de renier les coûts pour économiser quelques galions au détriment de la qualité. Tant que vous ne m'aurez pas prouvé que la potion fonctionne, je ne vous donnerai pas une noise. Allez-y, buvez-la. Rien de plus simple. Je vais le faire. Voilà, c'est très bien. Comment je fais?
comment je fais pour les boire. Revelio. Revelio. LB. J'ai aucune idée. Rébellion. Boire une potion. Ok.
Revelio. Qu'est-ce que vous mijotez? Je me demande qui y vit. Je comprends pas. Ils sont pas de mon inventaire. Moi, je suis posé dégoûté. Bon, ben, je peux plus de revenir. Ça ne fait aucun sens pour moi. Ah, faut que j'ajoute un balai, j'ai pas de balai. Okay. Qu'il existe plus accueillant que Préolar. Rébellion. Fantastique. La boutique animée de Préolar est tenue par Biwi, qui propose toutes sortes d'optiques de sport pour sorciers notamment. Les tout premiers modèles de balai, des rumeurs prétendent que Biwi crée lui-même des améliorations de balai. Faut que j'avais 19. Mais aussi. Voilà. Bonjour, Monsieur Weeks, c'est ça? Albi Weeks, à votre service. Bienvenue à Beaubalais. Toutes mes excuses si vous avez trouvé la boutique fermée récemment. Les routes commerciales étaient perturbées. Cela m'a forcé à aller jusqu'à Londres pour rencontrer mon fournisseur. Et je viens tout juste de revenir. Avec du stock cette fois. J'imagine que vous souhaitez acheter un nouveau balai? J'ai quelques rares tresses d'if en stock, des braises filantes, des flèches d'argent. Des rubans vol aussi. Peu importe le balai choisi, vous ne le regretterez pas. Tous sont exceptionnels en termes de qualité et de performance. Vous avez dû fermer Beaubalais à cause des perturbations sur les routes commerciales? C'était terrible. Les routes commerciales étaient inutilisables. Visiblement, elles sont envahies de criminels qui menacent les hameaux. Je peux voler n'importe où en toute sécurité. Mais ce n'est pas facile avec tout un stock de balais sur le dos. Bon, j'ai du travail, moi. Si un balai en particulier vous intéresse, n'hésitez pas à venir me voir. Pouvez-vous m'en dire plus sur vos balais? Les balais sont ma passion. Je sais tout sur eux. Prenez les rubans vol, par exemple, connus pour leurs manches en frêne de grande qualité. Les tresses d'if sont rares, car beaucoup ont peur de les utiliser.
sûrement à cause de la réputation de la baguette d'If. Ensuite, vous avez le Bresse Filante, connu pour son style élégant. Travailler avec des balais tous les jours me rend euphorique. C'est l'une des nombreuses raisons pour lesquelles j'aime gérer cette boutique. Vous avez du choix. Je vais jeter un coup d'œil. Merci. Qu'est-ce qu'il vous faut aujourd'hui ? Cet article est d'excellente qualité. Ce balai fera votre bonheur, je vous le garantis. Merci de votre visite. Même si le premier balai venu sera toujours supérieur au balai d'entraînement de la classe de Madame Kogawa, tous sont limités. Vous m'avez l'air d'une personne qui pourrait être intéressée par des améliorations pour votre balai. Allez-y, j'écoute. Je ne m'étais pas trompé sur vous. Les performances de n'importe quel balai à basse altitude sont tout à fait satisfaisantes. Mais vous remarquerez que la vitesse moyenne tend à diminuer à mesure qu'on s'élève. Je pense pouvoir remédier à ce problème. J'ai quelques idées de sortilèges, d'améliorations en quelque sorte, qui pourraient accroître les performances de n'importe quel balai. J'ai besoin que quelqu'un essaie un balai pour moi et vienne me faire un rapport afin que je perfectionne mes améliorations. Une autre élève de Poudlard, Imelda Reyes, utilise d'anciens circuits de course désaffectés pour des épreuves de vol. Elle est futée. C'est un cadre idéal pour récolter des données de vol. Si jamais vous y participez et faites le meilleur temps, alors dans ce cas, revenez me parler du comportement de votre balai. J'ai fini de travailler sur ma première amélioration. Qu'en dites-vous ? Depuis quand êtes-vous passionné par les balais ? Depuis que j'ai assisté à mon premier match de Quidditch, en voyant les joueurs manœuvrer comme ils le faisaient. Oh, certaines personnes continuent de douter de moi et de mes idées. J'espère que cela ne vous dissuadera pas de m'aider. Je sais que je tiens quelque chose. Pourquoi avez-vous besoin que je vous fasse un rapport sur ce balai ? J'ai bien tenté de demander à Imelda de m'aider, mais elle a des habitudes de vol parfois bizarres qui rendent la collaboration difficile. J'ai besoin d'une personne douée et dépourvue de mauvaises habitudes. D'après Everett, votre camarade de classe, vous avez un talent inné sur un balai. Il est toujours ici à examiner les nouveaux modèles. Il est presque aussi passionné de balai que moi. Si votre talent vous a réellement permis de faire un meilleur temps qu'Imelda, votre aide pour tester le balai me sera plus que précieuse. On dirait que vous avez suivi le cours de Kogawa. En effet. Mais je me concentrais bien plus sur les éléments techniques du balai que sur l'art de voler. Et cela la rendait folle. Elle trouve que je suis parfaitement à ma place chez Beaubalai. Aucun de nous deux ne me voyait frapper des cognards pour les canons de Chaudelet ou le club de Flakmar. Et j'éprouve une certaine satisfaction à donner tort aux personnes négatives qui me trouvent trop jeune pour gérer cette boutique. Avec votre aide, je pourrai continuer à prouver que je suis le meilleur fournisseur d'articles de sport pour sorciers de la région. C'est intriguant. Je vais voir ce que je peux faire. Merci ! Ça en vaudra la peine. Si j'ai vu juste, cette nouvelle version devrait améliorer les balais à tous les niveaux. Et je peux vous faire un prix. Les épreuves de vol devraient être tout aussi amusantes. Rendez-vous sur le terrain de Quidditch. Imelda Reyes s'occupera de vous. N'oubliez pas de me prévenir quand vous aurez battu le temps d'Imelda. Revelio. On ne peut qu'admirer l'enthousiasme de Monsieur Wicks. Revelio. Petit jardin public au cœur du village est l'endroit idéal. Faire pousser diverses herbes et autres plantes magnifiques, paisibles. Oh.
Vous avez besoin de potions, je suppose. Que puis-je pour vous aujourd'hui ? C'est une sage décision. Merci. J'espère vous revoir très vite. À bientôt. On va voir si c'est ça. Enfin, je n'ai acheté une, puis je vais la voir. Carte du monde. Voilà, je vais aller, c'est plus bas. L'endroit semble être assez agréable. Je sais pas comment changer de potion. Revelio. J'en ai acheté une, c'ti. Je sens idiot, là. Revelio. Ça marche pas, je pense que c'était ça.
Bon, ben, je vais. J'ai ancien. Ah. C'est ça. C'est ça. Bon, fallait savoir. Invisibilité. Je crois bien que ça a marché. Bon, ça fera l'affaire, j'imagine. Si la demande est si importante, vous pourriez peut-être vous montrer plus sympathique. Par exemple, en combinant vos recettes et vos compétences avec les siennes. Jamais de la vie! Ce bon à rien n'a pas eu à travailler pour obtenir sa boutique. Nous autres, nous avons dû nous débrouiller. Je ne le laisserai pas récolter les fruits de mon travail. S'il échoue, il ne pourra s'en prendre qu'à lui-même. Vous avez dit que de plus en plus de clients essayaient de se faire discret. Pourquoi ? Eh bien, je ne sais pas pour les autres, mais j'imagine que mes clients Serpent Cendre doivent avoir leur raison. Surtout, ne vous avisez pas de répéter ça à qui que ce soit. Très bien. J'informerai Monsieur Pipin que les potions ont été livrées comme prévu. Faites donc ça. Que proposez-vous à la vente ? Qu'est-ce qu'il vous faut aujourd'hui ? Très bon choix. J'aurais opté pour la même chose. Les œufs de serpent sang. Ok. Rien que ça que j'ai pas. Ouais, c'est correct. C'est parfait. Merci. Merci pour votre visite. Cela m'a fait plaisir. Bon. Recette en préparation souplesse, c'est une recette de quoi? Tout le monde la défend. Pour de chien, œufs de serpent ensemble. Donc, j'appuie sur Select. J'ai perdu. Les potions de soins sont notre spécialité si vous en avez besoin. J'ai apporté les potions d'invisibilité à Fatima Lawang. Très bien. Elle ne vous a pas causé trop d'ennuis? Ne vous inquiétez pas. Tout s'est bien passé. Tant mieux. Et encore merci pour votre aide.
Livrer ces potions m'a demandé bien plus de travail que prévu. Un supplément serait le bienvenu. Eh bien, vous avez le sens des affaires. Très bien, je vous paierai plus, mais ce n'est pas de gaieté de cœur. Au fait, j'ai trouvé ce livre de recettes de potions à Pont-Désir. Est-ce qu'il vous serait utile, par hasard ? C'est le livre de recettes de Fatima ? Oh, je ne pensais pas que c'était le sien. Certaines choses sont sacrées pour nous autres potionnistes. Je vais le lui rendre de ce pas. Obtenir et utiliser une potion de concentration. Obtenir des potions maximum et durer, c'est les tester simultanément. Que puis-je pour vous aujourd'hui? C'est une sage décision. Merci. Réduit le temps et concentration. C'est une sage décision. Merci. Un virus. Et celle-là serait maximum. C'est une sage décision. Merci. La fourrure de chien. J'espère vous revoir très vite. À bientôt. Lumos. Peut-être que j'utilise maintenant des potions maximum et durus. Il aimerait également que je teste une potion de concentration en cas de besoin. Je peux me procurer des potions et des recettes chez les potions pépites. Quant à l'endroit où je pourrais effectuer ces tâches, ma carte ne serait aucune d'aide. Il va falloir que j'explore. Okay. Action.
Comment je ferais pour les... Ok. Donc, je prends celle-là. Je peux y aller à pied, c'est pas si loin. Rébellion. Ah, il est là. Action. Rébellion. Et voilà. Ce balai brisé appartenait à Selene Watanabe et serait tout ce qui reste d'elle. Qu'elle ait insisté pour faire une démonstration expérimentale d'un sortilège de transparence lunaire et ses camarades de la troisième année. Personne ne sait si elle a réussi. Rébellion. Moi, je peux pas aller là. Lumos. Rébellion. C'est ici que se cherchent les grenouilles gluantes et les molieuses qui forment le cœur des grenouilles de Poudlard. Ces amphibiens magiques sont capables de chanter en harmonie 6 à 6 et peuvent tenir une note beaucoup mieux que la plupart des humains. Donc, Rébellion. Et fermé. Action. Incendio. Éclosion. Lumos. Rébellion. In-
Incendio. Revelio. Revelio. Qu'est-ce que vous mijotez ? Revelio. Revelio. Fallait-il deux en route pour de nouvelles aventures? Revelio. Vous avancez sur vos devoirs. J'ai terminé ce que vous avez demandé, professeur. Excellent. Vous êtes donc fin prêt à apprendre Repulso. Voyons cela. Concentrez. Ne laissez pas votre esprit vagabonder. Vous avez compris. Si vous voulez vous entraîner, et vous en avez bien besoin, évitez donc de projeter vos camarades contre les murs dans les couloirs. Essayez plutôt d'utiliser les livres enchantés. Repousser de nombreux types d'objets. Ok. C'était ça qu'il fallait.
travail. Je suis heureux de voir la détermination que vous faites preuve pour maîtriser vos sortilèges. Vous travaillez encore, à ce que je vois. C'est en recommençant encore et encore qu'on progresse. On va faire une quête de balai, essai en vol. Le plus proche où sera un os, ça serait... Ici. Donc ça va être tout pour l'instant pour l'aventure du jeu Hogwarts Legacy Live sur la chaîne du Caribou canadien. Oh yeah!